Donc ça sera un carrefour à feu avec le quai de Brazza, comme ça, et le pont qui vient se connecter dessus. Donc c'est ce qu'on appelle un carrefour en T. Mais ça va nous permettre de gérer les circulations. Et le but, ça sera de mettre le carrefour au rouge complet. On arrête tout le monde. On baisse les barrières d'entrée. Comme ça, il n'y a plus de véhicules qui rentrent sur le pont. Sur l'enrobé rouge, on aura le transport en commun en site propre. La partie noire, ça sera deux fois deux voies, véhicules légers, poids lourds. En fait, on a deux fois trois voies sur le pont. Ensuite, alors, la particularité sur cet ouvrage pont Bacalan-Bastide, c'est d'avoir ces deux passerelles piétonnes de part et d'autre qui sont séparées de la chaussée par un vide. Autre particularité, vous voyez, on n'a pas les mêmes pentes sur la circulation que sur les piétons. On monte beaucoup moins fort sur les piétons que sur la voirie. Alors ça a été fait pour le confort du piéton. Là, on va monter de 7 mètres et vous n'allez pas vous en rendre compte. L'ouvrage est conçu pour les transports en commun sur pneus. On pourra y mettre une plateforme tramway dessus et on pourra y mettre une plateforme pour le tram-train aussi.